Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur le PC pour un petit tuto. Comment avoir un maximum d'argent sur ETS et America Trop Simulator. C'est un peu de la triche, oui et non, mais bon, ça sert quand même quand vous n'avez pas beaucoup de thunes. Vous en mettez un peu, vous mettez pas un maximum, moi j'ai mis un peu trop. Mais voilà, de toute façon, je joue pas trop au jeu non plus. Mais vous mettez un peu de thunes et comme ça, bah, vous êtes tranquille si vous avez des dégâts à faire, des réparations à faire sur le camion. Ou par exemple vous avez besoin d'acheter un nouveau camion parce que vous avez un petit level. Après vous achetez un nouveau camion, ça se comprend par la suite. Mais je vais vous montrer la vidéo. Si ça vous plaît, bah regardez la vidéo. Si ça vous plaît pas, bah quittez directement la vidéo, bien sûr. Je veux pas qu'on me dise ouais mais ça sert à rien que tu fasses ça. C'est ça. Ça vous sert à rien de regarder la vidéo, regardez pas la vidéo et passez votre chemin, puis voilà. J'ai envie de vous dire tout simplement. Donc si vous regardez la vidéo parce que vous en avez besoin et que vous avez des soucis avec le jeu parce que vous avez besoin de thunes, donc vous êtes bien le bienvenu, j'ai envie de vous dire. Donc n'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Donc je vous mettrai le lien dans la description et dans les commentaires. C'est très simple, il vous faut WinRAR bien sûr pour télécharger. Après vous téléchargez le logiciel, ça va ressembler à ça, à un E comme ça, donc qui est juste ici. Et après, dès que vous êtes dessus, donc il faut laisser le jeu tourner. Donc soit America Trop ou ETS, c'est très simple. Vous allez là sur le petit ordinateur qui est juste là, ça ressemble à un ordinateur, vous cliquez dessus. Vous cherchez le jeu, donc par exemple, moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Si je vous montre, je vais vous montrer juste, mais je vais pas le faire. Donc je crois parce que j'ai pas lancé le jeu et je vais pas le trouver. Non, il est pas lancé, donc on va juste lancer le jeu. Donc vous inquiétez pas, ça va faire du bruit vu le volume du jeu. On va juste attendre qu'il se lance. Donc c'est pour le multijoueur et je crois que ça marche aussi pour le solo, je sais plus. Mais je vais vous montrer comment ça marche. Vous inquiétez pas, on va lancer juste ETS. Donc on va attendre un peu sa charge. Mais c'est très simple en fait, c'est pas compliqué à faire cette petite manip. C'est voilà, c'est très simple. Juste faire accélérer, voilà. Donc vous devez laisser le jeu tourner comme ça. Vous prenez n'importe quelle plateforme, de toute façon on s'en fout. C'est juste pour vous montrer. Donc vous faites continuer. Et il faut arriver en fait dans le menu de la partie. Donc vous faites pause après. Donc vous attendez. J'ai pas branché ma manette, donc je sais plus c'est quoi les boutons pour avec le clavier. J'aurais dû brancher ma manette, c'est pas grave. Donc on attend. Voilà, faut attendre, voilà. Donc il vous faut... vous devez en fait marquer, par exemple, si vous avez que 1000$, par exemple, j'ai une bêtise, vous prenez, bah vous dites, vous notez, donc là, l'argent, elle est là. Donc moi, j'en ai un peu trop. Mais par exemple, si vous avez que 1000$, vous marquez 1000 ou même 500$, ça dépend. Euros, plutôt. J'ai dollars, mais euros. Donc, vous laissez le jeu tourner. Comme moi, hop. C'est un peu fermé. Vous revenez sur l'application qui est juste ici. Vous choisissez la plateforme, du coup j'ai dit ETS. Donc en pensez vous devez avoir le camion de ETS. S'il n'y est pas parce que... moi il n'y était pas parce que je regarde. Mais j'espère qu'il y est quand même. Il doit avoir le camion de ETS. Moi qui j'ai un souci qu'il l'a pas pris. Ah là, voilà, ETS. Voilà, c'est juste le camion. Donc vous reconnaissez, de toute façon il n'y en a qu'un. Vous faites open, yes. Donc là ça va télécharger le fichier et tout. Vous faites donc là vous marquez le level, les sous que vous avez. Moi je vais pas le faire parce que sinon ça va me rajouter de l'argent. Donc ça sert, par exemple vous avez je sais pas on va dire 223 à peu près, on va dire. C'est une bêtise, vous marquez juste ça. Vous marquez voilà, ça dépend de la somme que vous avez. Après vous faites Frint, si c'est bien ça. Ça va charger en fait. Vous attendez. Après, par la suite, vous faites juste vous sélectionnez tout ça. Donc, merci. Hop. Il y en a pas mal. Donc voilà, vous avez juste à sélectionner avec la souris, comme moi je fais. Je vous conseille de supprimer en bas parce que sinon ça va vous embêter. Donc j'aurais dû le faire avant, mais bon, j'ai pas pensé. Voilà, vous faites glisser vers le bas, comme ça. Vous faites pareil, vous sélectionnez tout, comme ça. Et après par la suite vous faites clic droit, vous allez dans change record type,
Non, c'est pas type. Change aucun valeur. Value. Ça veut dire valeur, je pense. Et là, vous marquez, par exemple, ça va vous donner la somme qu'il a, donc 223 euros. Et là, vous rajoutez des chiffres derrière. Donc, je mets un peu plus. Ça va pas marcher parce que, tout simplement, ça va pas marcher parce que, en fait, j'ai mis que ça, en fait, mais c'est pas ma somme que j'ai. C'est juste un exemple. Donc, vous marquez, bah, je sais pas, si vous voulez un maximum de thunes, si vous voulez pas beaucoup, vous marquez ce que vous voulez. Par exemple, je sais pas, voilà, ça, vous faites OK. Donc, hop. Et après vous pouvez quitter, donc ça va demander d'enregistrer, vous faites yes, ça va l'enregistrer sur le bureau, donc c'est pas très compliqué. Après soit vous le gardez, soit vous le pouvez mettre dans le dossier comme vous voulez, vous le mettez dans le dossier. Vous retournez sur le jeu, donc ça va pas marcher au début, ça va marquer toujours la même thune que vous avez, donc les 223 euros. Donc vous faites continuer, donc ça va vous lancer un peu le jeu, genre vous soit vous attendez, ah bah, soit ça marche pas, comme moi. Mais sinon, si ça fait pas ça, si ça plante pas le jeu, ça peut arriver, moi ça a planté. Mais sinon ça marche vraiment, je vous mens pas, je peux vous montrer aussi sur Americatrop, je l'ai fait. Je vais vous montrer quand même, parce qu'au cas où si on me dit non, c'est pas vrai. Donc ça a pas marqué, au début ça a pas marché, vous allez voir, l'argent est à côté. Et quand ça fait ça en fait, vous avez juste à genre à conduire pendant une petite minute, mais pas très longtemps, vous avez juste à déplacer le camion. Et dès que vous avez déplacé le camion, vous refaites pause, vous revenez dans le menu et vous allez voir par la suite, ça va marcher. Vous allez avoir tout simplement l'argent qui a remonté. Et après, voilà, c'est pas très compliqué. Vous avez juste, je vous dis, à enregistrer l'argent comme je vous ai dit. Vous lancez le jeu. Dès que vous avez lancé le jeu, vous roulez ou vous déplacez le camion, ça dépend. Donc là aussi, j'en ai mis un peu trop, mais j'ai un peu abusé, mais c'est pas grave. Vous avez juste, genre, à déplacer le camion de 2-3 cm ou un truc comme ça, genre, bouger la caméra. Ou mettre la tête par dehors, après vous refaites pause, hop, on fait pause et l'argent va arriver tout simplement. C'est pas très, c'est très simple. Pour les levels, c'est pareil. Pour les niveaux, par exemple, si vous êtes au niveau 1 et vous devez tout simplement acheter un nouveau camion, mais vous pouvez pas parce que vous êtes que au niveau 1, vous avez juste à prendre les niveaux que vous êtes. XP, donc vous prenez juste les niveaux, vous allez dans le même endroit, vous prenez Americatrop ou ETS, vous faites comme j'ai fait. Donc je vous montrerai quand même pour les levels, c'est la même manip pour les personnes qui veulent savoir, mais bon, je montre, mais moi je l'ai pas fait, donc je vous conseille de le faire. Bon, ça c'est pour télécharger du coup le truc. Donc, je vais rentrer pour les levels, c'est la même chose. Donc par exemple, vous cherchez les deux jeux que vous voulez, soit OTS ou Americatrop. Moi je les ai fermés, donc je les retrouverai pas, de façon. Dans tous les cas, je vais pas les retrouver, c'est même sûr. Donc vous avez pris le jeu, hop, vous faites open, vous marquez le level que vous avez. Par exemple, c'est level 1, ça doit être. Vous regardez les chiffres qui sont à côté, faut pas marquer le niveau, faut pas marquer le niveau 1, faut marquer juste les chiffres à côté. Vous faites scan, ça va scanner et tout. Vous sélectionnez tout ça là, la liste qui va arriver. Après vous la déplacez ici, donc là ici il faut le supprimer à la base. Donc vous faites plus A, vous faites supprimer là. Donc vous prenez la liste qui est là, vous la faites descendre juste ici. Et vous allez voir après, vous faites la même manip, c'est clic droit. Donc je vais le faire en même temps quand même parce que après, sinon on va me dire ça marche pas. Non bah je peux pas. Vous faites pareil, valeur. Et vous allez voir, vous avez juste à monter un peu votre level comme j'ai fait. Et comme pour l'argent, bien sûr, comme j'ai fait pour l'argent. Et vous allez voir, ça marche, c'est pas très compliqué. C'est pour ça que je le monte pas pour level, parce que moi je le fais pas. Ça m'intéresse pas trop, mais je vous en parle quand même parce que il y était des personnes qui en cherchent. Moi je l'ai pas fait. Parce que je trouve pas terrible pour le level, mais pour la thune, oui, c'est intéressant parce que c'est vrai. Sur ATS, il y a toujours des personnes qui roulent comme des abrutis. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez tout bien compris. Si vous avez des soucis, dites-moi les dans les commentaires. Sinon, je pourrai vous aider si vous voulez. N'oubliez pas de laisser des commentaires, des petits j'aime. Moi, je vous dis à très vite et ciao, bye bye. Bon game à tous, salut!